Bon matin, bienvenue à l'expérience virtuelle essentielle. Aujourd'hui, on vous propose quelque chose de différent. On a un talk show préparé pour vous aujourd'hui. Donc, pourquoi tu vas pas dans les commentaires et t'écris pas, on va avoir un real talk aujourd'hui. Je suis accompagnée de mes meilleurs amis. We're gonna have such a good time. Et aujourd'hui, on va parler de c'est quoi avoir la foi en 2022. Souvent, j'ai des conversations avec des amis, des collègues, des clients. Puis, lorsque je parle du fait que j'ai la foi, lorsque je parle du fait que je suis chrétienne en 2022, pour certaines personnes, c'est un petit peu abstrait. Pour d'autres, c'est démodé. Mais la réalité, c'est que Dieu est encore aussi actif aujourd'hui qu'il a été il y a plus de 2000 ans. Le même Dieu qui a ouvert la mer, le même Dieu qui a guéri les malades, le même Dieu qui a opéré des miracles est encore actif aujourd'hui. Puis, on va vous parler de notre expérience personnelle à nous d'avoir la foi en 2022. Come on. Yes. So, guys, are you ready? Oh, yes. Yes. Donc, je sais que Céline, ça fait des années qu'on se connaît. Puis moi, je connais ton histoire. Je sais par quoi t'as passé. Puis pour moi, c'est tellement admirable de voir à quel point t'es une femme qui a tellement de foi, qui est fonceuse, qui a des grands rêves, de grandes ambitions. Puis comment est-ce que t'as réussi à pouvoir te rendre là dans ta mentalité? Parce que je sais d'où est-ce que tu viens. Puis c'est un cheminement incroyable que t'as fait. How did you get there? Je suis vraiment, vraiment contente de cette question-là, Sabi, parce que effectivement, je viens de très loin. Puis pour moi, avoir la foi en 2022, c'est d'être authentique à travers de ce que Dieu a dit sur ma vie, sur nos vies, en fait. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma famille, des gens proches, j'allais à l'église, puis des fois, je me faisais critiquer parce que j'étais pas au niveau des autres. Pour ceux qui ne savent pas, oui, ça existe de redoubler sa maternelle. Malheureusement, j'ai dû redoubler ma maternelle parce que j'avais un problème de déficit d'attention parce que je vivais beaucoup de trop de choses à la maison. J'étais persécutée à l'école, j'étais persécutée partout où j'allais. J'allais dans une fête d'amis, on me demandait « Est-ce que tu es en première année? » Je ne pouvais pas répondre parce que moi, j'étais dans une autre classe spéciale. Et puis... je vais dire de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, je me suis vraiment considérée comme un échec. Puis c'était, pour moi, le cacher, c'était vraiment de, premièrement, de m'exprimer. Donc, je parlais fort, je voulais vraiment toujours avoir quelque chose à dire. Même si je ne savais pas quoi dire, j'allais parler, puis j'allais me faire ridiculiser encore plus. Parce que justement... ben c'est ça, parce que justement, j'avais rien à dire. Et puis, donc là, c'est un cheminement de j'ai redoublé ma maternelle, puis par la suite, en cinquième année, j'ai redoublé ma cinquième année. Parce que, encore, je vivais tellement de choses à la maison, de la violence, tout ça, que je n'étais pas concentrée à l'école. Et c'est normal. Puis c'est normal. Mais quand tu es plus jeune, pour toi, c'est comme non. Non, c'est ça. Tu te compares aux autres. Parce que tu es comme pourquoi moi, je ne suis pas capable. Puis je sais que je suis intelligente. Je savais que j'étais intelligente. Mais non, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je t'ai dit, j'étais à l'école, puis je regardais la prof. Puis j'étais comme. Je comprenais rien parce que j'étais juste en train de réfléchir à la volée que j'ai mangée. Puis, sincèrement, c'était vraiment difficile. On est en, moi, je suis jumelle avec mon frère. Fait que nous deux, c'est à nous deux que ça arrivait. Donc, on était très solidaires. Donc, la violence, ça a été ma solution. Donc, j'ai été très violente à l'école. C'était bizarre parce que j'étais violente, mais en même temps, les professeurs voyaient l'amour de Dieu à travers moi. J'étais bonne à l'école dans les sports. Je me démarquais avec la musique, je me démarquais avec ma créativité, à l'art dramatique. Vous savez, j'aime ça des blagues. Donc, pour moi, l'éducation, ça a été très important pour moi parce que j'ai voulu me prouver. J'ai voulu me prouver dans la vie. J'étais comme, I'm gonna be educated. Je vais savoir comment bien m'exprimer, comment bien parler français. Et je vais vous dire, moi, je pleurais parce que j'étais pas capable de parler anglais. Je sais que, tu sais, pour toi, peut-être, Michael, t'es comme, ben là, t'es née à Montréal, genre, comment tu sais pas parler anglais? Mais quand tu viens d'une famille que, genre, l'éducation, c'est pas tant la priorité. Donc... Attends, moi, je suis en Gaspésie aussi. Mais c'est ça, donc pour moi, l'éducation, c'était la clé. C'était ma porte de sortie. Vraiment, ma porte de sortie. Puis sincèrement, c'est comme ça que je me suis fait démarquer. Donc, quand je me suis rappelée de qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie, ça a été vraiment tard. Parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Mais c'est fou parce que même les chrétiens, des fois, justement, les personnes qui vont à l'église,
c'est un hôpital, une église, right? C'est pas tout le monde qui va toujours prêcher la parole à chaque jour, évangéliser, tu comprends? Donc, j'ai dû vraiment me battre pour pouvoir exister, OK? Donc, la façon que je me suis battue, c'est de me rappeler de qu'est-ce que Dieu a dit sur moi. Oh, quand Dieu a dit que je suis le sel de la terre, quand Dieu a dit que avec une foi d'un grain de sénévé, je peux déplacer les montagnes, quand Dieu a dit que le pouvoir qu'il a mis en moi, c'est le pouvoir, c'est son pouvoir en fait. Ça veut dire que lorsque je déclare quelque chose, elle arrive parce qu'il a dit que quand je prononce les paroles puissantes de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, pour de vrai, j'ai fait un exercice. Je suis allée devant le miroir, puis je vais vous dire quelque chose que je dis jamais à personne, mais quand j'allais devant le miroir, je me détestais tellement que je pleurais devant le miroir. Parce qu'on disait que j'avais un gros front, on disait que j'étais trop noire, on disait que je riais trop fort, on disait que j'étais une star parce que j'aimais chanter, que j'étais une star parce que j'aimais donner des blagues. Donc, c'était vu d'une manière péjorative quand c'était ma passion, la communication. Donc, j'allais devant le miroir, puis je pleurais parce que je me trouvais vraiment laide. Je croyais à ce que les gens disaient de moi. Puis comment cette transformation-là s'est faite, en fait? En fait, j'avais une relation avec Dieu, mais très, je vais dire, catégorique. C'était... Dieu est là pour toi, mais en même temps, faut que tu fasses attention, faut toujours que faut que tu sois saine, sainte, tu sais, en parenthèse. C'est de la performance, c'est de la perfection. Mais là, quand j'ai vraiment réalisé que je devais avoir une relation avec Dieu, donc là, je suis allée dans la parole, puis je suis allée lire qu'est-ce que Dieu a dit sur moi. Je suis allée lire qu'est-ce que Dieu a fait pour les autres, justement, que eux-mêmes croyaient pas en leur capacité. Puis ça m'a permis de voir que, oh, OK, quand je dis quelque chose, elle arrive pour de vrai. Donc, si je dis que je vais m'aimer, je vais m'aimer. Si je dis que je suis intelligente, je suis intelligente. Si je dis que je vais réaliser mes rêves, je vais accomplir mes rêves. Puis, qu'est-ce que j'ai compris aussi, c'est que des fois, on se compare avec les autres. Mais qu'est-ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que je devais me comparer à qu'est-ce qu'il a dit sur moi et non ce que les gens ont dit sur moi. Puis ça, ça a tellement changé ma perception de moi-même. Je suis ma propre compétition et je vous invite vraiment à vous voir comme votre propre compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Je compète avec qui j'étais hier. Donc, ça veut dire la personne que j'étais, je ne suis plus cette personne-là. Donc, j'investis en moi-même. Je lis des livres sur le self-love. Je lis des livres qui me permettent de comprendre mon anatomie, de comprendre qui je suis, comment je réfléchis. Puis, je voulais dire, en plus, c'est une question comme dans le jour. Parce que, tu sais, moi-même, bon, je t'ai déjà parlé sur mon histoire. Moi aussi, quand j'étais jeune, mon identité, c'était un petit peu difficile. C'est comme, mettons, quelqu'un qui reste ce problème-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est quoi la première étape, mettons, qui fait que tu peux réussir à vraiment découvrir qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ah, j'aime vraiment cette question-là. La première chose, c'est d'être constant dans ton développement personnel. Donc, ça veut dire, moi, je suis allée lire des livres sur comment m'aimer moi-même. La deuxième chose que j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me regardais dans le miroir, puis je commençais à parler à moi-même. Je commençais à dire, hey, t'es tellement belle, t'es une belle femme noire. Ton front, là, c'est ta personnalité. T'es unique, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui peut chanter comme toi, il n'y a personne qui peut écrire comme toi. Si t'es quelqu'un qui aime faire des poèmes, il n'y a personne qui peut le dire comme toi. J'aime ça exactement, parce que la réalité, c'est que Dieu nous a tous fait uniques. Exact. Ouais. Puis je pense que c'est ça la beauté de sa création. C'est qu'il n'a pas fait un moule où est-ce que tout le monde va être pareil. Puis je sais que dans la société dans laquelle on vit, avec tous les filters puis toutes ces choses-là, tout le monde essaie de se ressembler, mais la réalité, c'est que... La réalité, c'est que Dieu nous a fait unique, puis c'est ce qui est beau. Exactly. Puis je pense que c'est d'apprendre à célébrer cette unicité, puis célébrer notre authenticité. So thank you, Selena. I loved your... It was a big dream. Thank you so much. Now, my next victim, Alex. Alex et moi, là, c'est comme ça. On est toujours en train de s'agacer, se niaiser. Je pense que c'est Alex pour tout le monde. On aime tous s'agacer, Alex. Mais par contre, il y a une chose que je tiens à dire. Puis souvent, je t'agace, mais il y a toujours une chose que j'ai toujours admirée chez toi. Et je connais ton histoire, je sais d'où est-ce que tu viens. Puis, j'ai toujours admiré le fait que tu as toujours été un homme de conviction. Right. Puis, je sais que tu as grandi en tant que chrétien
dans l'adolescence. Je sais que des fois, c'est une période un peu challengeante. Mm-hmm. On se fait souvent influencer, on prend souvent de mauvaises décisions durant cette période-là. Mais tu as toujours été un homme droit, tu as toujours été un homme qui a marché selon ses convictions et selon ses valeurs. Puis je sais à quel point c'est challengeant. Et je veux savoir comment tu as fait pour pouvoir naviguer dans cette période-là qui t'a permis de voir être l'homme que tu es aujourd'hui, marié avec la belle Alexis, yes, papa de Zaya. Donc, comment tu as fait? Sincèrement, tu sais, comme tu as mentionné, ça n'a vraiment pas été une période facile, surtout pour moi, l'adolescence, parce que l'adolescence, comme tu as mentionné, c'est une période où tu te cherches. Right. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, la conviction. La conviction, puis ça a pris plusieurs étapes avant vraiment d'être convaincu de quelque chose. Parce que, tu sais, moi, j'ai grandi, j'ai un cercle d'amis qui était très serré à l'adolescence. Puis dans mon cercle d'amis, il y avait de tout, tu sais. J'avais des musulmans, j'avais des bouddhistes, t'avais des athées, puis t'avais d'autres qui croyaient aux étoiles, d'autres qui avaient... Ils croyaient des choses que tu sais pas à quoi qu'ils croyaient, right. Tu comprends? Ouais. D'autres croyances, c'est leur affaire, tu sais. Okay. Pour eux, c'est quelque chose qui était bon, mais c'est quelque chose qui était bon. Mais pour moi, il y avait Christ. Mm-hmm. Il y avait Jésus qui est mort à croix, mm-hmm. qui est venu nous sauver. Puis il y avait ça. Mais la façon dont je l'ai vécu, c'est... c'était vraiment, vraiment, vraiment comme... des fois, c'était le jour, des fois, c'est la nuit. Puis, tu sais, quand t'arrives le dimanche à l'église, c'est parfait. Tu retrouves ta famille, tu sais, tout le monde, c'est bon. Mais l'église, c'est tout le reste de la semaine aussi. Right. Tu comprends? C'est le reste de la semaine, mais il y a aussi un autre monde le reste de la semaine. Right. Puis c'est comment passer à travers ce monde-là que... C'est là que... Moi, il y a une parole qui disait tout le temps, tu sais, tout le monde la connaît, puis quand il dit, regarde, inquiète-toi pas, j'ai vaincu le monde. Mm-hmm. Fait que prends courage. Mm-hmm. Moi, il fallait que je marche tous les jours avec courage. Parce que parfois, ça arrivait que je me remettais en question sur ma propre foi. Right. Est-ce que je suis vraiment en train de... C'est la bonne chose de croire en Dieu. Est-ce que Jésus est réellement le sauveur? Est-ce que les décisions que je prends quand mes amis sortent, là, puis moi, je dis non, à la place, là, je vais le samedi à l'église, puis je vais louer, je vais écouter la parole, c'est la bonne décision que je prends? Parce que je suis peut-être en train de manquer quelque chose. Mm-hmm. Right. C'est quand même mon adolescence. Où est-ce que je m'en vais? Puis, right. Si je parle de l'adolescence, mais ça durait jusqu'à ma adulte jeune, entre 18, 20 puis 21. Ça durait right. jusque là. À me remettre tout le temps en question, est-ce que je suis en train de manquer quelque chose? Mais je trouve ça bon ce que tu dis. Puis je m'excuse de t'interrompre, mais je pense que c'est intéressant parce que je pense que des fois, les gens pensent que parce que tu es chrétien, dans ton parcours, tu te remets jamais en question ou tu te poses jamais de questions. Exact. Mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que des fois, ça arrive, des remises en question, de se poser des questions. Mais après ça, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Tu peux pas juste rester dans ton questionnement. Exact. Ouais, what did you do? Quand tu avais ces questionnements-là, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir t'équiper de foi? Mm-hmm. Une des choses que j'ai faites, moi, et personnellement, ça m'a beaucoup aidé, j'ai pris un temps à un moment donné, je me suis assis dans ma chambre, puis je dis, regarde, je me pensais à trois choses que je sais que Dieu a faites dans ma vie, que ça m'a aidé, c'était une bénédiction pour moi. Puis une des premières choses qu'il a faites, tu sais, vous connaissez mon histoire, moi, ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai perdu mon père. Mm-hmm. Fait que j'ai pas eu de figure paternelle de façon physique à la maison. Mm-hmm. Ma mère a joué le rôle de maman et papa. Mm-hmm. Donc, j'ai pas de grand frère, j'ai deux grandes sœurs. Fait quand tu cherches, tu entends comme tu dis toujours, tu sais, t'as un grand frère, t'as un homme qui est là. Tu cherches, tu comprends? Fait que tu dis, OK, comment est-ce que je vais faire? Mm-hmm. Puis, rendu dans ce moment-là à l'adolescence, c'est que je réalisais que, regarde, j'ai passé à travers cette étape-là que je me dis, j'ai jamais eu cette absence d'un père réellement. Mm-hmm. Parce que lorsque je lisais la parole, tu sais, je lisais des choses comme Dieu qui te dit, mon bien-aimé, mm-hmm. mon fils, right. mes enfants. Right. Fait que là, moi, ça me rappelle que, man, je suis vraiment pas tout seul. Yes. J'ai un père qui est là constamment. That's donc, la première étape que j'ai fait, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Premièrement, il m'a couvé. Mm-hmm. Je sais, c'est les mamans qui couvent. Ouais. Mais là, il m'a couvé, là. il m'a couvé. Il m'a couvert. Je sais pas si couvé, ça. C'est mon langage. Il m'a protégé en tant que père. Donc, c'est la première chose qui fait que, regarde, aujourd'hui, j'ai peut-être 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, je suis rendu là et j'ai jamais manqué de figure paternelle. Right. Parce que lui a toujours été là. Yes. Donc, des fois, de se rappeler juste des petites choses comme ça. Puis des fois, on n'est pas conscient des fois que Dieu fait des affaires. On est comme, c'est le karma ou... Dieu agit. Ouais, puis quand tu es capable de prendre le temps de dire merci pour ça, tu sais que peu importe ce qui va se passer après, t'as besoin d'une bénédiction, que ce soit une guérison physique, une guérison au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, de quoi que ce soit. Mm-hmm. Tu sais que Dieu va agir. Yeah. Right. T'es convaincu de ça. Yes. Puis après ça, au jour, t'avances. Puis comme, mais ça brasse aujourd'hui. Il y a une tempête aujourd'hui, mais l'année passée, Dieu m'a aidé pour ça. Yeah. L'année d'avant, Dieu m'a aidé pour ça. Puis ça fait déjà plus de 20 ans que Dieu m'a gardé pour ça. Demain, ça va être beau. Après-demain, ça va être beau. Puis
c'est la première chose à faire. Puis je pense que c'est la chose la plus importante. Mm-hmm. Fais-le dans ton temps de prière, dans le temps que tu médites. Et écris-le aussi. Mm-hmm. Et voilà, le papier crayon. Un livre de victoire. Un livre de victoire. Un livre de victoire parce qu'on les oublie vite. On les oublie vite. C'est trop facile. C'est négatif, mais. Exactement. Right. C'est trop facile de retourner là. Mm-hmm. Oh. Victoire, en gros, c'est que tu as réussi à marcher dans cette voie-là puis avoir cette conviction-là, justement, en te rappelant tout le temps que Dieu est avec toi. Exact. Puis que dans le passé, il t'a sorti de toutes sortes de situations puis qu'il va le faire encore une fois. Puis ce que je trouve vraiment spécial dans ce que tu dis, c'est que je sais exactement de quel cercle d'amis tu parles. Et puis, encore aujourd'hui, tu es vraiment l'influenceur et pas l'influencé. Mm-hmm. Et ces gens-là te voient vraiment comme un exemple dans leur vie. Mm-hmm. Puis, jamais depuis ton enfance avec eux jusqu'à ton amitié dans la vie adulte, qu'ils ont des familles maintenant, qu'ils commencent à avoir des enfants, ils pourront toujours dire que tu es resté le même. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose de tellement puissant. Sauf félicitations pour ça. Non, mais 100%, je suis d'accord avec ça. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des belles paroles, il y a beaucoup de personnes qui sont bien intentionnées, il y a beaucoup de personnes qui veulent aider, mais très, très peu, qui peuvent le faire. Mm-hmm. Et tu sais, je pense que dans notre cercle d'amis à nous, je pense que tu es quelqu'un qui sait que s'il faut que je déménage, tu vas être là, tu comprends? Puis je dis déménager, c'est un mot qui est arbitraire, mais pour dire que quelqu'un qu'on sait que sa parole vaut de l'or, c'est toi, bro. Puis franchement, personnellement, t'as un exemple à suivre. Thank you, bro. Thank you. Oh, vous êtes Thank you! Mais ça me fait rire parce que nous, ça fait tellement d'années qu'on se connaît, puis je te vois aujourd'hui avec Alex, je te vois avec Zaya, ta fille, puis juste la femme qui est devenue la leader de louange. Puis je me Come dis, on. What? Sing for us, sing for us. I have to say something. I have to say something. Moi, je me dis, en voyant ce que Dieu a fait avec Alexis, tu peux pas douter de l'existence de Dieu. Moi, quand j'entends ça, là, je suis un homme béni, hein? Oui, j'ai le sucre, là. Quand que je connaissais Alexis, écoute, là, des fois, je devais la tirer. I had to drag her out of bed pour l'amener à l'église avec nous. Littéralement. J'aurais senti être fâchée, là. Littéralement. T'enlevais les couvertures et tu me tirais dans le pied. Et je t'amenais. Est-ce que t'es contente aujourd'hui que j'ai fait ça? Non, mais c'est juste fou de voir la transformation, l'évolution. Puis aujourd'hui, la femme que t'es devenue, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis c'est pas une baguette magique. Il y a eu tout un processus. Ça avait l'air de quoi, ce processus-là, dans ta vie? Moi, tu sais quoi, la chose qui m'a toujours tenue depuis le jour 1, c'est être alerte à l'amour sans relâche de Dieu. Mm-hmm. Il y a 1 million de façons de vivre ta foi. Les personnes ici sont un exemple. Mm-hmm. Mais pour moi, ça a toujours été de savoir, j'avais une conviction profonde à l'intérieur de moi, que Dieu était tout le temps là. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que dans ma vie avec Dieu, vous savez, lui a connu le cycle. Vous savez, lui a connu le cycle. Dans ma vie avec Dieu, dans mes relations, j'ai toujours eu des hauts et des bas parce que j'ai tout le temps été super têtue. Mm-hmm. L'autorité pour moi, ça a toujours été super compliqué. Right. Me faire dire quoi faire, mais oh my god, I hated it. Mm-hmm. C'était horrible. Puis j'avais ce que certains appellent une force de caractère. Mais je réalise qu'aujourd'hui, c'est un caractère faible. Mm-hmm. Quelqu'un qui est toujours en train de crier, toujours en train de parler fort, toujours veut avoir le dernier mot, toujours en train de t'obstiner. Mais j'ai réalisé que la force de caractère, réellement, c'est la maîtrise de soi. Mm-hmm. C'est un des fruits de l'esprit. C'est quelque chose que je suis fière de dire. Que j'ai aujourd'hui. Yeah, mais vous connaissez le proverbe « Dieu ouvre les portes ». Mais notre caractère le ferme. Mm-hmm. Right. Mais c'était comme ça pour moi. C'était Dieu ouvrait des portes dans mes relations, il me donnait des belles opportunités à l'église, dans mon travail, whatever. Mais moi, j'avais pas le caractère pour les soutenir. Mm-hmm. Et donc, je fermais toutes ces portes-là. Mm-hmm. Et dans mes périodes les plus creuses que mon caractère a causé, mais la seule chose qui restait tout le temps, c'était l'amour que Dieu avait pour moi. Mm-hmm. C'est la seule chose que je retrouvais à chaque fois quand personne n'était capable de m'aimer. Parce que c'était si difficile. Right. Et même moi, ben, Dieu m'aimait tout le temps. Mm-hmm. Always. Mm-hmm. Yeah. On n'est pas tout le temps fidèle. Puis moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement conscient de mes défauts. Mm-hmm. Extrêmement conscient que je ne suis pas parfaite. Mais tu sais quoi? Je sers un Dieu parfait. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. So, même si moi, je ne suis pas fidèle, même si ça arrive, mm-hmm. qu'il y a des jours où je n'ai pas prié, je suis comme, oh non, Seigneur. Comme, right. J'aurais dû être plus fidèle. Tu vois, mm-hmm. aujourd'hui, j'aurais dû faire plus. Mais nous, on a un Dieu qui...
qui faillit jamais. Right. Il y a une parole dans Psaume 94 qui dit « Seigneur, si seulement je te dis mon pied glisse, toi tu me soutiens. Mm-hmm. » Ça, ça veut dire que, yeah, qu'on a un Dieu qui nous abandonne jamais. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So, moi, c'est tout le temps ça qui m'a soutenue. Mm-hmm. Relentless love of God. Always. J'aime vraiment ce que tu dis parce que pour moi, c'était vraiment difficile d'accepter justement que j'avais le fort caractère. Non, pas l'amour, okay. En fait, le fort caractère. Puis que les gens ne m'aimaient pas parce que justement, pour camoufler justement ce que je vous disais tout à l'heure, l'insécurité, l'échec, je mettais la violence de l'avant. Puis, ça me fait rappeler que je me rappelle que Dieu m'a toujours aimé. Je me rappelle que Dieu a toujours été là pour moi. Dieu a envoyé même des gens qui m'ont aimé avec ce caractère-là. Mm-hmm. Parce que, tu sais qu'est-ce qui arrive? C'est que les amis ne sont pas prêts d'accepter le processus. Mm-hmm. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Quand on a des amis, OK, puis qu'on veut avoir des vraies relations, ouais. on doit être capable d'accepter le processus d'une personne. Mm-hmm. Si toi, ton processus, c'était de devenir une personne douce, moi, je t'accepte comme tu es. Mm-hmm. Parce que c'est ça que Dieu m'a appelé à faire. Mm-hmm. C'est ça que Dieu nous a appelé à faire. Mm-hmm. Puis moi, j'ai longtemps cherché des amis comme ça. Moi, j'ai accepté ça. Yeah. Je sais, c'est une personne loyale. Puis, mais c'est tellement rare de trouver des gens qui vont t'apprécier. Parce que tout le monde a le droit d'être aimé. Tout le monde a le droit d'être apprécié. Même si tu as un problème, même si tu as un défaut, on a le droit d'être aimé. Et moi, c'est pour ça que je remercie le ciel que j'ai connu Valérie, mon mari, aujourd'hui, qui m'a aimé dans toutes les facettes de ma vie. Parce que j'avais besoin de cet amour. Dieu a utilisé mon mari. Dieu a mis son amour à travers mon mari. Il m'a montré, démontré son amour sur terre. Mm-hmm. Pas seulement dans le ciel, sur terre, à travers cet être humain-là qui est mon mari aujourd'hui. Mais je trouve ça extraordinaire. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tout le monde mérite d'être aimé. Puis justement, je sais que Mike, on rit souvent avec lui parce qu'on lui dit tout le temps qu'il était en train d'avoir des breakfasts à gauche, à droite. On se demande tout le temps comment il y a le temps pour pouvoir avoir des breakfasts avec autant de boys in the morning. C'est que tu passes beaucoup de temps à investir dans les hommes, parce que je pense que les hommes ont besoin de ça, justement, de ce brotherhood, de pouvoir avoir ces temps de connexion, de partage, de real talk. Mm-hmm. Puis tu passes beaucoup de temps à investir du temps avec eux parce que tu vois à quel point ça a de la valeur et de l'importance. Puis je pense que j'aimerais que tu nous parles un peu justement pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'aussi important pour toi. Parce que j'ai aimé ce que Céline a dit, everybody deserves to be loved. Tout le monde a besoin de cet amour-là. Donc toi, je sais que tu le fais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quoi ça a l'air au quotidien, ce brotherhood-là, de prendre soin des gens et d'aimer les gens? Non, 100%, tu sais, je vous écoutais parler, puis je trouvais vos histoires tellement incroyables. Puis juste de savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. On se remet en question, on se dit « Ah, il me semble que j'aurais dû être plus loin. » Puis it's part of life, mais j'écoutais parler, puis je me posais la question. Puis moi, le volet que j'aime, moi, c'est le volet communautaire. Communautaire, ça fait très PR. C'est comme j'aime le volet communautaire, mais en fait, j'aime les personnes. Puis la raison pour laquelle j'aime autant passer du temps avec les personnes, c'est parce que, puis pendant que vous parlez, j'essaie de réfléchir, c'est que l'amour que je donne aux autres, on me l'a donné. Mais c'est un amour que peut-être que quand j'étais plus jeune, peut-être que j'aurais aimé ça l'avoir. Puis tu sais, moi je pense que la foi active pour moi en 2022, tu sais, on parle souvent l'église c'est dimanche, mais pour moi l'église c'est du lundi au samedi. Le dimanche, la célébration du lundi au samedi, c'est qu'est-ce qui se passe, tu sais, je prends des déjeuners avec les gens, je rencontre les personnes, je m'assois avec eux, puis on va parler de la parole, on va parler de Dieu, on va parler de toutes ces choses-là. Mais ma première question, c'est « Hey, comment ça va, chum? » Tu sais, comment ça va avec ta famille? Comment ça va les études? Comment ça va les finances? Puis la raison pour laquelle je pose ces questions-là, c'est parce que je sais que Dieu est concerné pour ces choses-là aussi. Puis parce que je sais pourquoi, parce que Dieu l'a fait pour moi. Puis la raison pour laquelle je le fais avec les autres, c'est qu'on l'a fait avec moi. Moi, je me rappelle, il y a 7-8 ans, moi, j'ai un background chrétien, vous le savez. J'ai grandi là-dedans. Mais la vérité, c'est que l'image que j'avais de la chrétienté était très, très distorsionnée. Parce que c'était un peu comme l'expliquer un petit peu, on m'avait expliqué, c'était beaucoup pour la performance. Si tu fais ci, tu vas avoir ça. C'est la limite du troc. Tu comprends? Il fallait comme faire des choses pour avoir une bénédiction. Puis moi, je me suis toujours dit, tu sais quoi, quand je suis jeune, je m'amuse, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis quand je voudrais être en règle, là, je vais me mettre en règle avec Dieu. Mais pour l'instant, le miracle, c'est le fun. Tu comprends? J'ai perdu beaucoup de temps à faire ça, tu sais, que c'est dans ma jeunesse et tout. Mais quand j'ai rencontré une personne, pour moi, cette personne, ça a été Georges puis Laura, tu sais. Puis je me rappelle, moi, je me suis toujours dit, moi, je veux. Tu sais,
sais, quand on y pense personnellement, qui voudrait pas connecter avec des gens qui sont réellement intentionnés, qui veulent le bien pour eux, ouais, qui veulent les aider, puis qui n'ont aucune arrière-pensée? Comme, qui veut pas ça? Exactement. De partager, de s'asseoir, puis, tu sais, maintenant, dans l'ère du développement personnel, des gourous, sur Instagram, il y a un nouveau gourou à chaque jour. je sais pas parce qu'ils trouvent leur livre, man, mais yo, en plus, ils font de l'argent, là. Mais ce qui est fou, c'est que, tu sais, moi, quand je lis ces livres, en passant, j'aime ces livres-là. Ouais. Tu sais, Dale Carnegie, Think and Grow Rich, là, j'ai lu des centaines de livres, puis quand j'ai ces livres-là, moi, je sais que 90% des principes qui s'y retrouvent, c'est des principes qui sont bibliques. Exactement. Tu comprends? Donc, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que la plupart des gens, comme moi, je ne savais pas à 25 ans que vraiment ce que j'avais besoin, c'était Dieu. Moi, je ne savais pas. Je revenais à Dieu quand j'avais le temps, right? Mais moi, je ne savais pas. Moi, je me disais, ah, il me faut une nouvelle business. Ah, il me faut un nouveau chèque. Il me faut another girl. Sorry, but back then. Moi, je ne savais pas que ce que j'avais, le vide que j'avais à l'intérieur de moi, qu'un chèque, qu'une nouvelle business, qu'un nouveau drink, qu'un tomahawk. Tu sais, il y a une limite de tomahawk que tu peux manger par une journée, tu comprends? Tu peux manger 10. Exact. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est que ce qu'il me fallait, c'était justement ça, c'était une relation avec Dieu. Puis comment j'ai réussi à rentrer dans ça? Parce que quelqu'un a fait du communautaire avec moi. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai rencontré Georges, pasteur Georges. Le gars, je le voyais sur stage, il parlait avec une éloquence, une puissance, une autorité. Après ça, on va manger ensemble. Puis le gars, il me parle de choses tellement anodines, tellement relatable. Puis je me dis, mais comment est-ce qu'un gars peut avoir autant d'autorité, mais tellement être terre à terre aussi? Comment quelqu'un peut avoir autant d'amour, en même temps autant de force? Comment quelqu'un peut être tellement complet que ça n'aille pas seulement bien dans ça? On connaît tous du monde. Leur business va bien, check leur mariage. Ouais. Mm. Leur mariage va bien, check leur finance. Mm. Check la santé. C'est tellement rare de rencontrer des personnes que tu te dis, man, sur chaque point de sa vie, ça va bien. Mm. Sa famille va bien, ses enfants vont bien, tout va bien. Ouais. Moi, je regardais et je disais, je peux juste être le 1/10 de qu'est-ce que t'es, chum. Tu comprends? Puis, pourquoi est-ce que moi, maintenant, je prends autant de temps pour passer du temps avec les personnes? C'est que, man, ce gars-là a fait le temps de passer du temps avec moi. Moi, je me rappelle que je me disais, voir que lui, il veut passer du temps avec moi. Tu sais, quand t'as ça avec quelqu'un comme ça, tu peux rien lui apprendre. Tu sais, tu veux parler d'argent, tu peux rien lui apprendre. Tu veux parler business, tu peux rien apprendre. Tu veux parler famille, tu sais, je me rappelle, moi, je suis arrivé de rencontrer, j'étais en métro, le gars est en limbo. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends? Le gars, il est marié, il a 3 enfants, je ne veux pas avoir de blonde. C'était juste, je me rappelle que moi, j'étais intimidé. Moi, j'étais inconfortable d'aller voir ce gars-là. Je me rappelle, là, à chaque fois, je voulais le voir, je voulais passer du temps avec lui. Mais à chaque fois, j'étais inconfortable. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être qu'on se compare, etc., je ne sais pas. Mais par contre, chaque fois que j'allais, lui, il semait à l'intérieur de moi des paroles puis des semences qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis rendu aujourd'hui. Puis parce qu'il l'a fait avec moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et pour de vrai, je l'ai fait sans le penser. Tu sais, pour moi, tu sais, aller déjeuner avec quelqu'un, m'asseoir avec quelqu'un, m'asseoir avec Yann qui est derrière la caméra, « What's up, brother? » Faire ça, pour moi, c'est naturel. Pourquoi? Parce que je pense que, encore question d'amour, on mérite tous d'être aimés inconditionnellement. Puis on mérite tous d'être aimés sans avoir à performer. Yeah. Puis on mérite tous d'être aimés par quelqu'un qui veut t'aimer pour les bonnes raisons. Yeah. Donc moi, en fait, tout ce que je veux, man, c'est juste passer du temps avec les gens, puis les aider si je peux. Puis je pense que si tu peux juste apporter un verset que l'autre a besoin aujourd'hui, exactement, tu peux être un pasteur pour la personne. Yeah. Moi, je pense pas qu'il faut avoir des études en théologie, non. Juste être bien intentionné, avoir 2-3 paroles qui peuvent aider la personne, puis surtout être là, avoir quelqu'un qui peut t'écouter. Donc moi, pour tous ceux qui veulent aller déjeuner avec moi, je trouve ça tellement nice parce que, Mike, je te connais quand même depuis un bon bout de temps. Yes. Puis, t'as toujours eu ce même cœur-là. Mm. Tu sais, quand on dit que le succès fait juste amplifier la personnalité d'une personne, right, mais je pense que ça, c'est définitivement vrai avec toi. Yeah. Wow. À chaque fois qu'on s'assoit avec toi ou qu'on a une conversation, même si c'est pas comme dans ta pensée ou ton objectif, t'amènes toujours de la valeur à cette personne.
So, I think God did amazing work with you. Puis, tu fais du travail exceptionnel avec les personnes. Thank you so much. C'est exactement ce que je voulais dire. Puis, j'ai beaucoup aimé quand tu disais que, tu sais, à 25 ans, tu réalisais pas le vide que tu avais besoin. Mm-hmm. C'était Dieu que tu devais rentrer là-dedans dans ce vide. Puis, je remarque que quand tu rencontres les gens, tu sais, le fait que tu fais ça, tu viens remplir aussi un vide, juste en leur partageant un verset, en prenant le temps de les écouter, puis de dire, regarde, j'ai une parole pour toi. Oh, Dieu a fait ça dans ma vie. Puis toi, Mike, t'es toujours, moi je connais Mike, Mike, t'es toujours le premier pour aller voir les gens. Mec. I love it. T'es un exemple à suivre. Ah, t'es toujours prêt. Yo, t'es juste toi, puis moi, on n'a jamais déjeuné ensemble, puis on se connaissait, ça fait longtemps. Yo, Alex, on va manger. Let's do it. Puis j'avais plus d'appétit juste parce que je mangeais avec toi. Tu comprends qu'on a eu un méchant bon moment. Puis tu sais, on a partagé des choses personnelles l'un envers l'autre que jamais on en a parlé. Puis c'est comme, man, tu m'as appris des choses que j'ai fait comme, yo, j'aurais dû déjeuner avec toi il y a 5 ans. Depuis, tu comprends? Je me disais la même chose. Tu comprends? Il revenait à la même chose. J'aurais dû manger avec toi il y a 5 ans en arrière. Ouais. Il y a des questions que je m'aurais pas posées, j'aurais eu des réponses à. Fait que ce que tu fais, tout le monde devrait le faire. Exactement. Du communautaire. Puis bro, you're the best, man. Thank you, bro. Non, vraiment, aujourd'hui, je trouve que chacun de vos témoignages sont tellement puissants, puis je pense que c'est indéniable de pouvoir voir c'est quoi une foi active en 2022 en écoutant vos histoires, de voir qu'il n'y a personne ici qui nous a parlé des choses qui se sont passées il y a dans des générations en arrière, c'est des choses qui se passent aujourd'hui, c'est des transformations réelles, c'est des changements réels qui se produisent dans nos vies au quotidien. Puis, je trouve ça incroyable de pouvoir voir la main de Dieu agir dans chacun de vos vies, mais ça démontre à quel point Dieu est concerné pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, mais pour tout le monde. Puis, moi, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'ai été à l'église pour la première fois, puis j'ai entendu un message comme ça, ou est-ce que j'ai entendu un partage, ou est-ce que j'ai vu, OK, attends une seconde, ce qu'eux vivent, c'est accessible à moi aussi, mais ça a complètement changé ma vie, donc... Moi, je vais inviter chaque personne qui écoute ça aujourd'hui et qui se dise « Attends une seconde, moi, j'aimerais ça avoir ça dans ma vie. J'aimerais pouvoir avoir accès à cette relation avec Dieu. » Mais je t'invite aujourd'hui à pouvoir faire une prière. C'est une simple prière qui peut-être peut sembler banale, mais qui peut vraiment faire toute la différence pour toi aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, tu aimerais ça pouvoir reconnecter avec ton Créateur, tu aimerais ça pouvoir te connecter avec lui, avoir une relation avec lui, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite à répéter après moi dans ton salon ou dans ta cuisine ou peu importe où est-ce que tu es. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, de ma vie. Je t'invite à prendre une place, dans mon cœur. Amen. Guys, je vais prendre le temps de vous dire merci de vous être prêté au jeu. Puis si vous avez aimé le concept du talk show, pourquoi vous n'écrivez pas un commentaire pour montrer comment vous avez aimé ça? Hashtag real talk. Hashtag essential talk. On a vraiment passé un bon moment, puis on espère que vous avez passé un bon moment comme nous aussi. Puis on va laisser place à essential worship. Action, baby! Lève-toi et confesse.
qui promet, mon frère, ma soeur, on n'est jamais là. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, elle s'éveille. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 oh. Hey guys, j'espère que vous avez apprécié le talk show qu'on vient d'avoir avec une équipe de feu. Chaque témoignage était vraiment à pointer pour toute personne qui nous écoute aujourd'hui. Puis je sais que ça va faire une différence dans votre vie. Une chose que moi j'ai retenue, puis écrivez aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez apprécié. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait tous un point en commun pendant ce talk show. Puis ce point en commun, c'est que dans nos vies, on a tous mis Dieu à l'épreuve. Puis aujourd'hui, je veux que vous aussi, vous puissiez mettre Dieu à l'épreuve. Comment? Avec vos dîmes et vos offrandes. Parce que dans Malachie 3:10, Dieu dit que si tu amènes tes dîmes et des offrandes et que tu mets à l'épreuve, il va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Donc, je ne sais pas c'est quoi la bénédiction que tu attends. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau de ta famille, au niveau du travail ou même des études. Tu sais quoi? Si tu mets Dieu à l'épreuve aujourd'hui, ça va s'accomplir. Permettez-moi de prier pour vous parce que je crois que Dieu va accomplir votre miracle cette semaine. Pas dans un mois, pas l'année prochaine, mais cette semaine. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, on fait cette alliance avec toi. On te met à l'épreuve parce qu'on sait que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, Seigneur. Aujourd'hui, avec nos dîmes et nos offrandes, on te fait confiance, on met foi en toi, que tu vas réaliser le miracle, que tu vas ouvrir les écluses des cieux et nous donner la bénédiction qui est tant attendue depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Que ce soit au niveau des finances, de la santé, du ministère, de la famille ou de l'école, Seigneur, pour toi, c'est toujours oui et amen. Parce que toutes tes promesses que tu nous as mis dans ta parole vont être accomplies cette semaine et dans la vie de chacun. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen et amen. Guys, ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez fait la prière de la foi pour la première fois avec Sabrina, je vous invite à nous écrire sur Instagram ou sur Facebook à Essentiel MTL. Parce que pour nous, c'est important de pouvoir connecter avec vous et de prier pour vous. Et peut-être, vous aurez la chance de prendre un café avec Mike ou un autre membre de l'équipe. Alors, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de prier pour vous, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, d'apprendre votre témoignage et de passer du temps avec vous. Donc, on se voit la semaine prochaine au 1000 rue Sherbrooke Ouest en personne à l'église Essentiel. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.